Je suis Jacques de La Rosière, je suis un ancien gouverneur de la Banque de France, j'ai dirigé le Fonds monétaire international, la Banque pour la reconstruction et le développement, et je suis un auteur de livres d'économie. C'est une conférence qui porte sur la financiarisation extrême de notre système. Maintenant, depuis une vingtaine d'années, on emprunte systématiquement pour résoudre les problèmes de fonds. Et donc l'endettement se développe d'une manière asymptotique. Et quand vous avez trop d'endettement dans un système, vous avez aussi plus de difficultés en cas de retournement de marché et de crise, c'est-à-dire des gens qui ne peuvent plus rembourser leurs dettes. Et nous sommes arrivés à une situation d'extrême fragilité du système financier de ce fait. Et donc je critique, si vous voulez, cette financiarisation extrême. J'ai trouvé que c'était très sympathique parce qu'ils ont d'abord écouté sans aucun bruit ce que j'ai dit et ensuite ils ont posé des questions très intéressantes, très, très valables et j'ai essayé d'y répondre. Mais j'ai trouvé que la participation était très active et ça c'est bien. Oui, je l'aurais dit, il faut se méfier des vérités officielles, pas systématiquement, mais il faut garder un peu sa capacité de se poser des questions, de réfléchir. Et c'est ça l'intérêt de poursuivre des études, parce que si on accepte tout sans l'ombre d'une question, on perd. Donc il faut à la fois, si vous voulez, être réceptif par rapport à ce qu'on vous enseigne et en même temps être capable de réfléchir et de se dire est-ce que c'est vraiment ça. Alors c'est ça un peu mon message. Il faut qu'on accepte d'avoir une pensée libre et non pas de toujours épouser la vérité officielle, le politiquement correct, espèce de soumission déraisonnable d'ailleurs à des vérités très contestables. Voilà. Je pense que nous avons de grands défis devant nous, le défi de l'écologie, du changement climatique, de la révolution énergétique. Ces défis ne pourront pas être relevés avec le paradigme actuel, parce que le paradigme actuel ne permet pas de mobiliser l'épargne longue vers des projets à risque, qui sont ceux dont nous avons besoin. Et donc, je dis, si nous continuons à nous endetter, à faire des placements à très court terme, à privilégier la valorisation boursière par rapport à la réalité de la valeur ajoutée, si nous faisons ça, nous allons louper tous les défis écologiques et énergétiques qui sont devant nous, tous. Donc il faut changer de paradigme. Et c'est donc un message un peu révolutionnaire que je vous dis, mais il est fondamental. Alors évidemment, si on n'accepte pas ma vue de la financiarisation, on n'est pas très intéressé. Mais cette vue n'a jamais été contestée. Alors, j'en tire quand même une certaine satisfaction. Voilà.